Oh la vache! Hello! J'espère que vous allez bien. En ces temps difficiles, mais bon. Allez, haut les cœurs. Bien, Evie. Bien, bébé. Alors, tout d'abord, je voulais vous montrer mes courses. Alors, ce n'est pas les packs anti-gaspi, c'est des courses. Bah, vous savez bien que je vais des packs anti-gaspi, mais par contre, il y a des choses que je ne peux pas avoir dans le pack anti-gaspi. Donc, j'ai commandé, j'ai pris. Je vous avais déjà expliqué. 1,19€. Je vous avais déjà expliqué que ça, j'adore, j'adore, j'adore. C'est le BN, c'est les petits BN qu'on mettait avec du beurre. Il y a 73% de céréales. Donc, c'est certainement, c'est peut-être beaucoup plus sain que ce qu'on mangeait dans notre jeunesse. Mais c'était tellement un plaisir de le manger dans notre jeunesse avec du beurre. Moi, je mettais ça de beurre. Donc, j'en ai pris un. J'en ai. Résistance, je résiste. Donc, j'en ai pris deux. J'en ai pris trois. J'en ai pris quatre. Peut-être je vais m'en lasser, hein. C'est bon jusqu'en 2022. Voilà. Donc, j'en ai pris quatre. Alors, 1€. Wow. Voilà. Ensuite, il y avait pour 2,95. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. C'est l'eau vinaigre. Donc, au vinaigre, en général, j'aime bien parce que c'est pas. C'est des poivrons, des pimentos au vinaigre. 2,90 €, c'est un gros pot, hein. C'est un pot de 500 grammes, mais il est gros le pot, vous voyez ma main, voilà, et je peux même pas faire le tour avec, regardez. Donc ça, je vais me régaler. La dernière fois, j'avais pris de l'huile pensant que c'était de l'huile d'olive, et en fait c'était un mélange et je n'aime pas. Avec 20% d'huile d'olive vierge extra. Bah, bon, c'est pas du tout de l'huile d'olive. Du coup, j'ai repris de l'huile normale, sans résidus de pesticides, made in France. Huile Le Sieur cœur de tournesol, je l'ai payé 2,10 €. Il y a 1 litre. Et il y a quoi? Vitamine E dedans. En ce moment, il faut de la vitamine D. Ensuite, j'ai pris pour ma fifille, Ivy, des petits Whiskas. Je n'en donne pas beaucoup, hein. Je ne vous cache pas que je leur donne très peu. Ivy, viens! Allez, viens, maman. Viens, viens bébé, viens. Je vous la montre. Hein. Tiens mon amour. Tiens bébé. Oui mon cœur. Oui maman donne. Tiens, oh, voilà. Elle va manger. Elle n'aime pas trop se montrer. Hein. Encore nounou? Je t'en donne deux. Pas plus. Hein. Ça me fait presque deux mois, 3 mois. Hein. J'en donne très très peu. Voilà. Au fromage, 1,40 €. Du beurre, je l'ai payé 2,10 €. Voilà, du Elvire, tout simplement. Alors, c'est tout simplement savoir-faire normand. C'est tout simplement du doux pour avec mes tartines. Si je dois mourir quelque chose, au moins je préfère mourir de cholestérol que de mourir de soi-disant leur Covid qui. Bref. Alors ça, c'est tout nouveau. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai entendu que du bien. Je vous assure, j'ai entendu que du bien. De l'ail fumé. Alors, de l'ail fumé, il faudrait que je regarde pour à quoi ça sert, mais je sais que c'est très bon et très sain. Donc, de l'ail fumé, c'est très très goûteux. Déjà, l'ail, c'est bon, alors fumé. Il y a l'ail noir aussi. L'ail noir, je ne le connais pas non plus, mais celui-là, voilà. Si je trouve de l'ail noir, j'en prendrai. Ensuite, je vous dis, je fais des réserves. 1,50 €, 1,60 €, ils n'étaient pas trop chers. À ça, j'ai payé ça 2,40 €. 2, 4, 5, il y en a 10. Je les ai payés 1,50 € le paquet. Mais ça, c'est une pure tuerie. Je vous le dis à chaque fois. Donc, j'ai fait mes réserves. J'ai pris de l'huile vinaigrette, huile d'olive vierge balsamique. Voilà, tout simple. Je l'aime pas trop, mais ça dépanne. Ça dépanne, j'ai pas envie de faire de vinaigrette en ce moment. J'en ai fait l'autre fois, mais j'avais l'huile d'olive, j'aimais pas trop, donc du coup j'ai laissé tomber. Alors ça, c'est les courses. Voilà. Après, comme je vous ai dit, j'ai pris une baguette. Comme je vous ai dit, ça on n'en trouve pas. Donc j'ai pris mes fameux yaourts mandarine citron vert. Je les adore. Donc j'en ai pris un paquet. J'en ai pris deux paquets. Voilà. J'ai pris des jus. Alors, je crois que c'était des jus de multifruits, mais c'est pas grave, c'est de la pomme. 2,42 €. Alors, j'en ai 6. Parce que moi, à chaque fois, j'achète une bouteille d'1 litre et je ne la bois pas. Donc là, au moins, j'ai. En plus, il y a la paille.
Au moins là, paille en papier, en carton d'ailleurs, pas en plastoc. Bon, c'est pas grave. Voilà, et en fait, c'est mieux d'ailleurs. En fait, le truc, c'est que ça, si vous voulez, une bouteille pour moi d'un litre, je la bois pas dans la journée, mais vraiment pas. Donc là, il faut vraiment que je me dise, un matin, je bois ça, et au moins, je le gaspille pas, quoi. Parce qu'après, le reste, souvent, au bout de la fin de la semaine, je dis, mince, j'ai oublié de le boire. Même ça peut être du Pago ou n'importe quoi. Donc je me dis, bon, allez, c'est bon, maintenant, j'achète comme ça. Voilà, et je sais que Pressade, c'est pas mauvais du tout. J'ai pris deux packs. Alors, cette fois-ci, ils sont emballés, heureusement. Je les ai payés 2,99. C'est moins cher que Auchan. Auchan, ils sont à 3,20. Et du moins chez le mien, chez moi. C'est quoi? C'est quoi? C'est marqué quoi? Recyclez-moi. Ah, voilà. Recyclez-moi. Voilà, donc j'en ai pris. J'ai regardé la date. Parce que là, franchement. Le paquet me paraît un peu vieillot. C'est plus ça comme ils ont comme bouteille là. C'est des trucs de sport, mais bon, on verra bien. J'en ai pris deux paquets. Pour 1,19 €, j'ai pris de la salade. 1,19 €, une petite salade voilà. Ce midi, j'ai pas envie de me faire à manger ce midi. J'ai déjà mangé celle-ci, je change la salade à chaque fois. J'ai payé 3,10 €. Franchement, pour 3,10 €, elle est délicieuse. Vous avez des petits morceaux de fromage fondu, là, c'est une tuerie avec des herbes. Vous avez du poulet. En plus, moi, j'ai de la viande, donc je vais mettre mon onglet d'hier qui reste, je vais le mettre avec. Ensuite, pour changer un peu, j'ai pris des paniers de Yoplait. Alors, ananas, pêche. Poire, pêche, abricot, poire, ananas. Alors, je n'aime pas du tout la poire. Je vais quand même goûter, mais sinon, je les donnerai. Voilà, 0% de matière grasse. J'ai pas fait attention du tout. J'ai pris comme ça, sans savoir. 2,40 €. Ensuite, je vous dis, c'est des choses que je ne trouve pas dans les packs anti-gaspi. Pour 80. Oh la vache! Ils m'en ont mis un. Eh, regardez. Regardez. Non, mais regardez. C'est 99 centimes. Ils m'ont mis deux bouquets. Regardez. C'est cool, hein? 99 centimes, j'ai deux bouquets. En général, il y a toujours un cadeau, mais là, j'ai pas eu de cadeau. J'ai trois bananes. Oh, bah, celle-là, elle est un peu pourrie, hein. J'ai pris des tomates roses. Alors ça, je connais pas du tout. 2 euros. Pour 4 tomates. J'ai 4 tomates pour 2 euros. C'est des tomates, pas des rouges, c'est des roses. Alors je vais voir, je vais goûter ce que ça a. Et comme je ne fais pas comme tout le monde, j'ai pris des tomates oranges. Non, mais elle est pourrie celle-là. Hein. Bon, ça va pas du tout là. Mais bon, c'est pas grave, ils m'en ont mis plein. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est orange. Et orange. Voilà. Et celle-là, plus belle. Celle-là, plus belle. Là, j'en ai pour 2 euros des bananes. 99 centimes d'avocat. Alors eux, ils sont hyper durs à mûrir. 99 centimes. Donc je vais faire les tomates. Et ça. J'ai pris un fenouil. Une recette italienne. Mon cousin, s'il me regarde, on sait jamais. Eh bien, il parle pas un mot de français, mais il me comprend. Mais je parle italien couramment, donc en fait, fenucchio. Je crois que c'est fenucchio, mais j'ai un peu perdu, hein, je ne vous cache pas. C'est fenucchio, je crois. Oui. Et en fait, c'est du fenouil, et eux, ils le mangent avec du vinaigre, comme ça, en lamelles. Un truc de fou, moi, je ne mange pas ça comme ça. Moi, je le fais cuire. Et j'ai pris des petites courgettes. Voilà, comme ceci, des blanches, des petites courgettes blanches, parce que je le mets dans ma salade. J'aime bien mélanger la courgette crue dans la salade. Et pour finir, avec 2,40 €, il a l'air bon, hein, parce que regardez, il sent bon en plus. Regardez, il est craquelé là. Il est craquelé. À mon avis, c'est un mâle. Ouais, c'est un mâle celui-là, pas une femelle. Il a un gros. Je crois que la femelle, c'est plus petit. Et en fait. Alors, quand on fait ça, normalement, c'est qu'il est mûr. Mais là, je vois qu'il a l'air mûr et qu'il a l'air délicieux. Voilà. Voilà mes courses du jour.
Je vous fais plein de bisous. Je suis très contente. Vous voyez, il n'y a rien de frais parce que mon congélateur, il est blindé, archi blindé avec les packs anti-gaspi. Hier, il y en avait encore un, mais je ne peux pas les prendre tout le temps. Donc, j'ai laissé. C'est dommage parce que je sais qu'il y a des trucs intéressants. Si vous voulez acheter, ben, écoutez, il y a mon code promo. Hein, Chris, il va mettre le code promo comme d'habitude. Et puis, ben, je vais aller ranger les courses, tout simplement. Et puis je vais manger. Alors, est-ce que je vais manger ça ou est-ce que je vais manger une tomate? Je vais regarder la date. On est. Ouais, j'ai 6 jours. J'ai 6 jours, ça va. Voilà. Eh bien, écoutez, mes courses sont faites. Tout est rangé. Je vais aller tout ranger. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vais vous montrer comment je suis habillée quand même. Quand même. Et puis on va faire le petit théâtre des Sibylles, on n'oublie pas. J'ai acheté cette petite robe, mais vraiment, je suis déçue. Mais vraiment, je l'ai payée 22 euros, mais franchement, c'est pas du tout mon style. Mais vraiment, oh là là, franchement, quand j'étais à Dubaï, il y en avait des jolies à 400 euros. Mais là, c'est Sybille qui me l'a offert, elle coûte que 22 euros et je trouve que c'est cher. Franchement, moi, je trouve que 10 euros, ça irait très bien, hein, parce que 22 euros un machin comme ça. Ouais, en plus, c'est élastique. Voilà, elle a acheté sur un site, pas de rencontre, hein, non. Ben, je sais pas, hein, peut-être qu'elle cherche l'homme de sa vie, hein. Peut-être qu'elle cherche l'homme de sa vie, hein. Ben, peut-être, hein, mais ça m'étonne, hein, parce que je pense qu'elle n'a pas du tout envie, hein. Non, 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 non. Absolument pas, elle n'a pas du tout envie. Je vais faire un défilé. C'est moi que je suis habituée. Je vous fais plein de bisous. C'est moi qui finis. Alors, oui, j'ai la même robe. Regardez. Elle, elle lui plaît pas, mais... Je garde le sourire, la 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 la. Il faut garder le sourire. On sait pas, hein, si elle va nous tomber bientôt sur la tête. Peut-être. Faisons attention au 16 août. Ça risque de chauffer le 16 août, je pense. Mais peut-être pas. On verra bien. On verra bien, hein, ce qui nous attend. Hein. C'est pas top, mais on verra. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis... Et dites-moi comment vous la trouvez. En fait, elle n'est pas si mal que ça. Elle n'est pas si mal que ça. Hein. Bon, je suis déçue de la qualité, je ne vous cache pas. De dos. Voilà. Il y a aussi bien le dos que le devant. Bah, dites-moi. Je vais faire un défilé. Je fais un défilé, ok? Vous savez que j'ai travaillé chez... pour ma mère. On m'avait proposé de défiler. Et comme j'avais des varices, j'étais opérée depuis. J'en ai encore un peu, mais beaucoup moins. Et ben, comme j'avais des varices, et bien, j'ai refusé. Ma mère, elle m'a dit, t'as loupé la chance de ta vie. Parce que j'étais une planche à pain. Et en plus, elles sont jalouses entre elles. On avait été manger chez Castel. Elles sont jalouses. C'est un truc de fou. Hein. Non. Elle, pardon. Elle voulait que j'aille manger avec elle chez Castel. Et moi, j'ai préféré manger un truc que j'ai payé cher. Mais j'ai mangé avec d'autres copines qui faisaient... qui étaient habilleuses, puisque moi, j'étais habilleuse. Mais en fait, comme ils me trouvaient super sympa et que le patron voulait que je défile, eh bien... Il m'avait invité à aller chez Castel et j'ai pas voulu. Parce que déjà, et d'une, qu'est-ce que ça m'aurait apporté? Autant l'autre, elle aurait été contente, là, la cible, là, aux cheveux roses, là. Autant moi, je m'en fous. Je suis pas du tout vénale, je suis pas du tout... je m'en fiche. Bon, ben, sur ce,
J'ai bien 52 ans. Hein. Ouais, c'est mieux les cheveux courts un peu. Hein. J'ai dit combien? J'ai bien 52 ans? J'ai bien 62 ans. Tiens, je vais chanter une chanson. Tu vas te casser car on a envie de retrouver nos libertés, car on a envie de retrouver sera heureux. Allez, sur ce, I love you, ishli beni, te quiero, ti amo, bye bye, je vous aime.